Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le Swatch and Makeup de cette Forever Flawless. Donc, c'est une Forever Flawless que j'ai trouvée sur Boozy Shop grâce à Amy, enfin, grâce au Wacos de Amy. Voilà. Donc, je trouve bizarre qu'elle n'était pas dispo, enfin, qu'elle n'est pas dispo sur le site de Révolution Officielle. Après, les nouveautés sortent en principe le mercredi chez eux. Du moins, les nouveautés Révolution. Hein, voilà, les autres gammes sortent un peu tous les jours. Mais normalement, chez Révolution, ça sort le mercredi. Alors, le packaging, on n'en parle pas. Il est juste somptueux. Je ne sais pas pourquoi j'ai en tête la tortue dans Nemo. Voilà, magnifique. Maintenant, je me suis demandé si ce n'était pas une ancienne et que Boozy Shop l'aurait eu après. Mais je ne l'ai jamais vu passer, donc je doute. Et en plus, vous allez voir que les pannes mates sont gravées. Donc ça, ils le font que depuis la Chilled with Cannabis Sativa. Avant, ce n'était pas gravé. Donc voilà, j'ai mis les loupiottes bleues parce que t-shirt bleu, les perles et tout ça, puisque c'est une ambiance mer, donc on va aller dans le blue. C'est le bleu et le mauve qui priment un peu. Vous avez un rose ici hyper flash. Voilà. Mais c'est quand même le bleu et le mauve qui sort. Je la trouve jolie. Les swatchs étaient pas mal. Donc j'ai hâte de tester ça. J'ai une forme en tête depuis un bon moment. J'attendais que ça sorte un make-up. Le bon thème de make-up sur un abonné choisit mon make-up, mais ça sort pas, donc je vais le faire aujourd'hui. Et voilà, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs en musique, je me rapproche et on attaque le make-up. Alors, j'ai pas mis de base, on va utiliser la base après. J'ai juste mis un petit peu d'anti-cerne et j'ai blendé, enfin, j'ai appliqué mon fard beige sur toute ma paupière. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais commencer par faire un creux large. Et je vais prendre la teinte... je sais pas trop comment faire mon creux. Bon, allez, je vais prendre la Chola, ici. Qui est le mauve, un peu rose, qui tire un peu sur le gris. C'est tout à fait le genre de teinte que j'adore. Et je fais donc un creux large, coin externe, ras de cils, voilà, comme d'hab, quoi. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Je sais pas du tout si le make-up que j'ai en tête va ressortir comme je pense. On verra ça à la fin. C'est surprise. Donc comme c'est un creux large, je prends un pinceau plus fluffy. Ah oui, par contre, je voulais vérifier le grammage, parce que sur Boozy Shop, ils ont marqué 1 gramme 1. Ben oui. Alors que normalement, c'est 1 gramme dans les Flawless. Ou je dis des bêtises. Ah non, je dis des bêtises. 1 gramme 1. C'est dans les autres que c'est 1 gramme. Donc, c'est un peu de l'arnaque, les High Earth. Puisque vous avez 18 fards aussi, le packaging est en carton, pas en métal, et vous avez 1 gramme par... par phare, alors que elle est 1 € plus chère. Ouais. Donc les Flawless restent encore moins chères, ce qui m'arrange puisque je les adore. Bref, c'est pas le sujet, ma cocotte. On reparlera de la palette après, hein, vous inquiétez pas. On va faire des petits comparatifs. Donc bien sûr, on blende bien puisque on n'a pas vraiment de teinte de transition. J'ai pas compté les mats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, il y a des shimmers, il y a des pailletés, il y a un peu de tout comme d'hab. Il n'y a pas de paillettes cette fois-ci. Ils n'en mettent plus autant des paillettes compressées dans les Flawless. Je crois que la dernière où il y en a eu, c'est un Namasté.
Alors, je vais prendre un pinceau plat assez fluffy et je vais prendre la teinte Cloud, ici, que je vais mettre sur toute ma paupière. Donc, pas besoin d'en mettre des tonnes, hein, puisque on va faire la forme juste après. Il est supralumineux, par contre. Ouh. C'est un peu plus foncé sur la paupière que dans le pan, par contre, j'ai l'impression. Mais après, j'ai pas ma base Révolution non plus. Voilà. Petit coulé sur mon peur avec l'autre pinceau. Et on va passer maintenant aux choses sérieuses. Ça va être compliqué. Donc, j'ai préparé... Oh, je suis coincée. J'ai préparé le plus de pinceaux plats fins. Je vais mettre le côté grossissant de mon miroir. Sinon, Nymphe va encore gueuler. Donc, j'ai préparé le maximum de petits pinceaux comme ça, plats assez précis pour faire mes formes. Alors, je vais commencer avec le plus petit ici. Je prends ma base Révolution. Je ne sais pas du tout si ça va donner ce que j'ai en tête. Hein. On va tester. On verra bien. Alors, ça c'est sale. Il faut que j'emmène mes pinceaux propres et sales. Donc, je vais cutter mon cuisse, mais en faisant des formes. Vous allez voir. Ce sera plus clair en volet. Donc, je commence par le coin interne. J'espère que le pinceau sera assez précis. Ouais, c'est pas le plus précis de tous. Hein. Et je vais terminer en arrondi. Si j'y arrive. Voilà, on va pas trop chipoter. Donc je fais tout de suite pareil de l'autre côté pour avoir les mêmes tailles et tout ça, enfin, si possible. Ah merde, ça file. Donc comme d'hab, j'ai le problème du croquet plus haut ici. Donc il faut que je l'étende un peu ici. Ah, je babouille. Donc je blende tout de suite la base avec un gros pinceau pour blender. J'ai pas vraiment réussi à avoir la même forme des deux côtés, ça c'est chiant. Alors je prends un autre pinceau assez précis, donc je vais prendre celui-ci et je vais commencer avec la teinte tropique qui est le turquoise. Donc j'applique ça sur toute la base. Ça me donne mal à la tête, le côté grossissant, c'est un truc de fou. Donc bah, il faut s'appliquer, hein, forcément. Il faudra peaufiner après. Après, si vous voulez faire, je vous déconseille de mettre le fard en premier que j'ai mis sur la paupière mobile. Ça sert strictement à rien. Alors, je garde du coup le même pinceau que j'ai utilisé là-bas. Je reprends juste un peu de base. Moi, je voulais essayer de séparer ma paupière en trois parties, mais ça n'ira pas. J'ai été trop loin ici, donc on va faire juste en deux parties. Donc on y va. Je fais l'arrondi qui suit l'arrondi là, même si c'est plus très arrondi, mais bon, on va faire comme si. Et je pars en cut crease. Voilà, on viendra nettoyer le centre après. Donc là, je garde le même pinceau, je prends juste l'autre côté et je vais mettre la teinte Coral Reef. Le bleu canard, oui, je sais, j'aime beaucoup le bleu canard. Et on fait pareil. Choutasse, choutasse, choutasse. Qui part pas, qui part pas, qui part pas. J'ai pas monté mon éponge. Ça, c'est concon. Hein. Bon, vous ferez pas attention aux choutasses. Hein. Alors, je vais prendre un autre pinceau plat qui prélève un peu mieux la matière. Donc, je vais prendre celui-ci parce que sinon, ça fait des taches, vous voyez. Donc là, j'en applique pour essayer d'enlever les taches. Bon, je ne suis pas convaincue jusqu'à maintenant. Hein. Donc je fais pareil avec le turquoise, même pinceau. Je prends juste l'autre côté. Alors, je reprends ma base, j'en ai encore. Je prends un pinceau liner qui est tout rouge. Il est tout rouge, machin, oui. Et je vais nettoyer la forme au milieu. Moment de concentration. Avec mon petit pinceau plat, je vais remplir la forme. Et je vais tout de suite mettre le fard, sinon ça va bouger de trop. Je vais mettre quelle couleur d'ailleurs. J'hésite entre le pearl ici, le hope, non le U ici, Laguna, Cloud.
En fait, ils iraient tous bien. Vous pouvez mettre le Hydra. Ouais, vous pouvez mettre celui que vous voulez, en fait, en lumineux. Je mettrais bien une petite touche de mauve quand même. Je vais mettre le U. Là. Donc là, il faut bien que je tapote mon pinceau parce que c'est un pinceau très rigide. Et on applique ça sur la base qu'on vient de mettre tout simplement. Voilà, on reviendra avec un pinceau un peu plus souple après. C'est pas du tout la même forme à jouer, hein, mais bon. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Alors, en coin interne, je vais mettre le pearl. Voilà. Qui est très, très, très doré. Je ne pensais pas si doré. Mais ça va avec. Je vais prendre le Hydra pour faire mon ras de cils. Voilà, c'est bien foncé. Je dégrade avec le tout premier pinceau. J'ai pas pris mon crayon pour les yeux et compagnie. Je reviens. Voilà, j'ai été chercher mes affaires et j'ai mis déjà mon crayon noir en muqueuse. Alors, je vais pas faire de liner noir. Et oui, tout arrive. Mais je vais utiliser celui-ci. C'est le Ice, je sais plus quoi, des Révolutions. C'est Obsession, je crois. Ou non, celui-là, c'est Révolution. Je sais plus. Enfin, c'est un de chez Révolution, en tout cas. Et je vais faire le tour de ma forme avec des paillettes, tout simplement. Voilà, je fais pas la forme rose, je fais vraiment les deux bleus. Bon, j'ai pas réussi à bien camoufler les taches sur le bleu canard, mais bon, tant pis. Donc voilà, je fais l'autre œil, j'attends que ça sèche et je mets une deuxième couche. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne avec les paillettes. Alors, je suis pas convaincue. Le bleu me stresse. Donc, quand c'est comme ça, on rajoute des paillettes et je vais prendre des grosses comme ça de chez PB que j'avais eu dans le calendrier d'avant de chez Lilimus. Ah oui, il n'y a pas d'agent collant. Tiens, j'ai fini un peu tout quoi. Donc, je reprends un petit pinceau précision. Je prends la colle de chez NYX. Donc, j'en mets pas trop, mais j'en mets un peu sur le bleu. Essayer de camoufler un peu les taches. Je garde le même pinceau et je prélève donc des paillettes. Voilà, ça cache tout de suite les taches. Paillettes, c'est magique. Voilà, ça camoufle tout de suite tout. Hein. Alors, mascara, toujours le même. Et sur les lèvres, ben, je ne sais pas trop ce que je vais mettre. Je vais mettre le Velvet Teddy de chez MAC. Voilà, donc je fais ça et je viens vous remontrer ce que ça donne. Et donc voilà ce qui conclut ce look avec cette palette Hydra Turtle. J'aime beaucoup le rendu, c'est pas vraiment ce que je m'attendais, mais ça passe. Voilà, bon, il faut plus regarder cet œil-là que celui-là, que j'ai un petit peu foiré, n'est-ce pas? Mais voilà, je suis quand même satisfaite de ce que j'ai fait, je suis pas ébaudie, mais je suis satisfaite. On va dire ça comme ça. La palette, bah, de toute façon, vous savez que les Forever Flawless, je ne suis pas du tout bonne juge puisque je les adore. J'aime bien, maintenant je pense quand même que c'est des teintes, je commence à en avoir beaucoup, donc forcément c'est des teintes qu'on voit un peu partout. Et on m'a également fait la remarque sur Instagram, quand j'ai partagé la photo, qu'elle faisait penser à un mix entre la Ice et la Constellation. Donc on va vérifier ça tout fouette. Ce qui n'est pas totalement faux non plus. Hein. Ah non, je viens d'épourner mon fard, mon préféré en plus. Attendez, je recolle les morceaux. Maintenant, je vais avoir des fards partout. Je mets carrément mon doigt dedans. Et l'autre à côté. Donc, c'est pas totalement faux. Hein. Moi, j'ai envie de dire, il y a des roses et des bleus, quoi. Voilà. Mais bon. Après, c'est sûr que, vu le nombre de... Je suis en train de faire un carnage. Vu le nombre de flawless qu'il y a, forcément, on retrouve des mêmes teintes à droite à gauche. J'ai dû faire un paupière partout.
C'est normal, il y en a beaucoup trop. Là, j'en ai, moi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. En sachant que je n'ai pas acheté la Timeless, que j'ai raté la Pride de 2019 et les deux d'Halloween de 2019. Donc, ça fait déjà 4 qui me manquent. Et par contre, les deux d'Halloween 2019, j'ai une abonnée qui va me les amener bientôt, elle va me les donner pour compléter ma collection. Voilà, je suis très contente. Donc voilà, merci Lisa. Bref, vous l'avez compris, moi j'aime beaucoup, je crois que c'est un des plus beaux packaging. J'avais déjà dit ça pour la Butterfly, ici. Il est très beau, celui-ci aussi, avec la Namasté. Je crois que c'est mes trois packaging préférés. Voilà, j'en ai qui m'ont dit qu'ils adoraient les tortues, donc qu'ils allaient l'acheter juste pour ça. Voilà, après c'est des teintes très jolies. Si vous les possédez toutes, c'est que vous, comme moi, vous faites la collection, donc vous en foutez qu'il y ait des doublons. Si maintenant vous les possédez pas toutes, voilà, si elle est dans votre harmonie de couleurs, de toute façon, vous savez que les flawless, c'est des valeurs sûres à petit prix. C'est tout bénef. Donc voilà pour cette palette que je suis bien contente d'avoir trouvé. Que Amy m'ait balancé ça, l'info. Voilà, donc, bah écoutez, le facteur vient de m'apporter ma commande Shein. Donc je vais aller voir. Enzo est en bas pour ouvrir. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo. Du coup, on se retrouve tous les jours. Je suis désolée pour le chien. Hein, tous les jours encore de la semaine. Donc je fais vite, comme ça le chien arrête de gueuler. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce en l'air, me dire si la palette vous tente et tout ça, tout ça. On se retrouve demain et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.